Bonjour et bienvenue dans cette critique sur Charlie Mordecai. Charlie Mordecai est un film anglo-américain de David Cohen avec Johnny Depp, Gwyneth Paltrow et Ewan McGregor. Charlie Mordecai est une comédie qui retrace l'histoire d'un noble, Charlie Mordecai, qui doit trouver de l'argent car il est endetté auprès de nombreuses personnes et qui pour cela va poursuivre des péripéties partout dans le monde. Donc pour commencer, Charlie Mordecai est un très mauvais film. Premièrement, son scénario est très mauvais. Déjà parce que tous les retournements de situation sont très attendus et qu'il n'y a rien qui nous surprend dans l'histoire, et parce qu'ils se perdent en plein d'histoires complexes qui n'ont rien à voir avec l'intrigue et qui sont totalement inintéressantes. Ensuite, je vais attaquer le but principal de ce film, car ce film est avant tout une comédie. Et pour une comédie, il est pas drôle. Mais il est vraiment pas drôle. Les blagues sont très très attendues, ou alors sont vraiment pas drôles. Ou alors les seules blagues qu'il y avait de presque bien sont dans la bande-annonce. Et le décalage qui est censé susciter le film entre le noble Charlie Mordecai et la vulgarité du reste n'est pas drôle, il n'est pas original et il n'est jamais drôle. Ensuite, les acteurs sont très très moyens. Johnny Depp joue... pour être gentil, on va dire qu'il joue pas mal, mais les autres acteurs sont mauvais. Je veux dire, le jeu d'acteur global est mauvais. Je veux dire, il n'y a pas un acteur dont je me souviendrai à cause de ce film. Franchement, le jeu d'acteur est bâclé. Ensuite, je sais pas trop pourquoi, mais le réalisateur s'est senti obligé de mettre des scènes d'action. Voilà, pour rameuter un plus grand public, j'imagine. Sauf que, en plus d'être inutile et de ne mener à rien, ces scènes d'action sont très nulles. Elles n'ont pas d'explication, elles sont très mal faites et elles sont très peu originales. Enfin, j'aimerais critiquer un peu la réalisation, parce que je sais que c'est pas le but de ce genre de film, mais là, quand même, il y a des plans qui sont très très nuls. La scène que j'ai le plus aimée, ou du moins que j'ai moins détestée, franchement, j'arrive pas à trouver parce que il y a rien qui m'a réellement plu dans ce film. Mais bon, si je devais en choisir une, c'est la scène où il se fait enlever par les Russes parce que c'est la scène qui m'a fait le plus rire. Et la scène que je déteste le plus, c'est la scène où il rentre dans l'appartement où le terroriste a planqué le tableau avec les codes dessus. Déjà parce que cette scène ne mène à rien. C'est franchement la scène qu'ils ont... Et ça sent franchement la scène qu'ils ont rajoutée pour mettre de l'action dedans. En plus, action nulle, hein, parce qu'il y a une explosion qui est super mal faite. Et en plus, parce que cette scène est très attendue. Et je veux dire, à aucun moment dans cette scène, je n'ai été surpris. Je savais exactement ce qui allait se passer. Donc, Charlie Mordecai est un très mauvais film, avec un jeu d'acteur très mauvais, avec un scénario très mauvais, une réalisation très mauvaise, des scènes d'action très pourries aussi. Donc franchement, je ne vous le conseille pas. Après, j'ai été le voir avec plusieurs personnes qui, eux, l'ont trouvé drôle. Tout à leur honneur, hein, je ne juge pas. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ce film très mauvais. Libre à vous de choisir de le voir ou pas, je vous laisse le choix. Cette critique est terminée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Ciao !